Yep, tout le monde, c'est Gaël, nous sommes ici pour une toute nouvelle vidéo. Alors, comme vous remarquez, on est sur point d'entrée. Ah oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas joué à ce jeu. J'ai arrêté tout simplement la série, que ça ne nous intéressait pas. Mais là, je vais reprendre une autre série qui est tout simplement des tutoriels sur point d'entrée sur chaque map. Ça, c'est le temps que je sois en vacances. Je me suis dit, j'avais pas trop d'idées de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça, c'était plus simple pour moi. Et je pense, s'il y en a certains qui veulent jouer à ce jeu, ça pourrait pas mal les aider. Sinon. On se retrouve à la rentrée de toute façon pour avoir des nouveaux concepts et des grosses vidéos. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Alors j'enlève la musique tout simplement parce que c'est infâme au niveau des oreilles. Mais hop, du coup on va se retrouver. Alors logiquement là on est mercredi au moment que j'ai. On va pas faire le replay tutoriel. Voilà, c'est bon. Du coup on va faire le site secret. Après le financier, le samedi. Mercredi d'après le dépôt. La maison du lac ici. Quand on sera à peu près à le retrait, ce sera à peu près à ce moment-là que je serai rentré de vacances. Donc, oui, c'est du coup, ce sera bientôt la rentrée, c'est la semaine juste avant la rentrée. Donc, il y aura quand même ces deux vidéos avec le scientifique. Et après, les deux derniers, je pourrais faire un tutoriel sur l'avant-dernier, mais le dernier, je n'arrive tout simplement pas à le faire. Je sais comment faire, mais une fois, j'ai bien réussi. Et je vais pas spoiler la fin de ce niveau-là, mais. J'avais le seum à ce moment-là, mais voilà. Donc c'est parti pour la première vidéo, tutoriel 1. Et déjà on va commencer, déjà je vais me mettre en solo, hein, on va pas créer un salon bleu, alors, ami, hop, créer un salon. Alors, je vais commencer le jeu. Ah, j'aurais peut-être pas dû pour montrer les armes, mais voilà, je vous donnerai de toute façon mes conseils. Pour essayer d'utiliser le moins d'argent possible pour vous aider au mieux. Ça pourrait vraiment vous aider. Là, on se retrouve quand le chargement est terminé. Alors, parlant de l'équipement, du coup, en général, ne partez pas comme ça sans rien du tout. Alors, je vous conseille déjà de prendre le pompe, si vous l'avez pas, je sais pas si vous l'avez directement dans le jeu, de l'acheter directement. Parce que ça permet de vraiment vous sortir de pas mal de situations. Par contre, ne prenez pas. Le silencieux avec, parce que du coup ça devient visible, il pourrait pas le mettre dans le sac, le sac à dos ou dans votre sur vous. Donc je vous conseille de pas mettre le silencieux à dessus, parce que de toute façon vous n'aurez pas besoin, parce que vous avez l'UP9 que lui vous aurez mis dessus un silencieux, voilà, qui vous permettra de ne toujours de pas se prendre de se faire dissimuler. Qui permettra de ne pas se faire trouver, de savoir que tu as une arme, parce que c'est bien dissimulé. Donc voilà, c'est vraiment les deux armes que je vous conseille, parce que moi-même je n'utilise que ces deux armes. Avant j'avais un sniper, mais je ne l'utilise pas. Le gilet, de préférence, on n'en prend pas, mais comme c'est votre première game, je vous conseille quand même de prendre. Prenez le dernier, même si ça coûte un petit peu cher, à la fin de toute façon vous payez même pas. Hein. C'est comme vous êtes en mode bleu normal, vous payez même pas le coût déploiement. Enfin, je crois pas. Et du coup, prenez le dernier gilet. Moi, je le prends pas. Un conseil, si vous prenez le dernier gilet, vous pourrez pas prendre de camouflage. Voilà, vous pourrez pas vous changer vous pourrez pas vous déguiser en garde, par exemple, etc. Vous avez les armes dissimulées, mais celle-là, j'en ai pas moi-même. Après, un matériel. Putain, il y a des trucs qui sont incrustés dans mon truc, j'avais même pas mis. Alors, en général, comme vous êtes voleur, vous aurez que ça avec des grenades et du soin. Donc, le meilleur truc que je refais exactement presque ce que vous devrez avoir, ce serait à peu près ça. De préférence, quand vous êtes nouveau joueur. À la rigueur, ça, si vous voulez, au cas où ça parte un petit peu en steak. Après, si vous avez le truc hacker, je vous conseille clairement de prendre ça. Et bah de prendre du soin. Et si vous avez en plus le chalumeau, prenez le chalumeau. Ça, c'est le combo vraiment parfait. On peut ajouter du soin aussi. Moi, j'en prends pas. Ça évite de faire des frais. Mais vous prenez-le. Donc, après avoir pris un petit peu ça, il suffit tout simplement de y aller. En général, ça coûte pas trop cher, 400 euros. En général, les missions, ça vous rapporte 1000. Du coup, ça devrait. Même si vous devez payer, ça devrait le faire. Donc j'avoue, j'ai pas compris
Le but de point d'entrée, de mettre un niveau plutôt dur dès la première partie. Donc voilà. Alors, si vous appuyez sur Tab, vous avez tous les contrôles à droite pour courir, etc. Donc, en conseil, vous allez sur I et là vous mettez tout ce que vous avez besoin dans votre inventaire. Comme vous voyez, mon sac sert strictement à rien. Donc, je peux le jeter en appuyant sur G. Et là, je vous conseille de ne surtout pas tirer avec votre pompe. Voilà, vous savez bien, la patte silencieuse. Les lasers, là, vous n'êtes pas obligé de les mettre. C'est histoire de. Voilà. Et avec cela, vous pouvez tirer avec le silencieux et ne pas s'arrêter, repérer, pardon. Alors. Ça commence déjà bien. En général, vous avez des caméras qui seront soit là, soit là-bas. Du coup, il faudra faire attention. Là, pour le coup, moi, j'ai pas mal de chance. J'en ai pas. Alors là, faut faire très gaffe, comme vous voyez, il y a deux soldats. On prend pas le pompe, ok. Lui, il est là-bas. Donc le conseil, c'est de rapprocher, viser, et après d'appuyer sur V pour l'assommer et pouvoir prendre son déguisement. Si vous n'avez pas le gilet, vous devez appuyer longtemps sur G pour pouvoir récupérer, enlever votre gilet et après récupérer la personne. Je vous conseille après de prendre sa carte d'accès ou d'enlever un truc dans votre inventaire pour prendre la carte d'accès. En général, vous n'aurez pas besoin de la perceuse. Voilà. Donc après, vous jetez votre personne dedans. Là, faut faire attention, ne pas se faire trop coller les personnes pour pas se faire opérer. Voilà, c'est pour l'instant c'est plutôt simple. Vous faites juste ça, faites attention. Là, je n'ouvre pas la porte parce que moi, je n'ai pas la carte d'accès, comme vous le savez très bien. Je n'ai pas la carte d'accès. Là, un conseil, si vous avez la carte d'accès, vous pouvez rentrer normalement. Mais si vous avez le truc comme moi, qu'il faut prendre. Le hacker la porte, attendez que le mec soit pas juste derrière, sinon vous allez faire cramer en rentrant. Et pour information, vous avez le droit que de à chaque zone, parce qu'il y a une sorte de zone sur cette map là, mais sur les maps en général, comme par exemple quand on en a une, vous avez le droit de tuer que 3 gardes ou de capturer que 3 gardes, car après ils se rendent compte qu'il manque des gens et ils vont tout simplement le remarquer et déclencher l'alerte. La personne est partie, du coup je peux rentrer. Là, le mec. Alors. À cause d'un lag, ça m'a tué. Bon, je recommence, hein, le tutoriel, c'est juste que j'ai appuyé sur F une fois et ça n'a pas marché. Normalement, quand c'est juste comme ça, vous appuyez juste sur F, normalement, on devrait pas avoir trop de problèmes. Voilà. Bon, on recommence. Bon, pardonnez, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Actuellement, il est 23h51 quand je tourne cette vidéo. Et les autres vidéos qui vont arriver dans la semaine et les jours à venir vont enchaîner. Je vais sûrement finir par 3h du matin, les recs. Bon, voilà. Du coup, ne faites pas comme moi faire ce genre de bêtises. Voilà. Mais ça arrive à tout le monde, comprendrez que même pour les meilleurs, entre guillemets, ça arrive. Comme vous voyez, là, une caméra. Je me suis bloqué en plus. Mais. Pas possible. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Ok, là une caméra. Vous pourrez la désactiver, mais ça du coup ça attire un garde, mais ça pourrait être bien pour que vous puissiez récupérer son déguisement. Après, avec ça, pour trafiquer, ça permet de juste faire croire que. Non, viens là. Viens là. Que ça marche quand ça marche pas. Alors là, ce que je viens de faire, c'est très risqué parce que là-bas, elle avait une caméra. Avec l'évolution que j'ai eue avec mon personnage, j'ai pu ne pas être repéré. Vous, je sais pas si vous ferez repérer ou pas. Parce que du coup, moi, j'ai des bonus de discrétion. Je crois que j'ai plus de 80% de plus de discrétion. Donc, ça peut me mettre vraiment bien. Donc, faites attention, voilà. Prenez les cartes. Faites assez attention quand même. Là, elle a une caméra. Est-ce que là, il y a une personne derrière? Oui. Ouais, on va essayer de passer. Ok, on est en zone hostile. Ok. Là, on a la mission sous contrôle. On va l'assommer. Et on va la transporter pour la mettre dans le bac là-bas. Faut faire attention que là, juste une personne qui ne rentre pas. Hop, et là, on met dans le coffre. Après, à partir de maintenant, faire très gaffe parce que là on est en zone hostile. C'est-à-dire que tout le monde peut venir
vous trouvez là et ils vont allumer l'alarme. Du coup, faire attention et être prêt. Je vous conseille de sortir votre arme. Alors, quand c'est comme ça, vous attendez que le mec parte. Normalement, vous faites repérer. Bon, je rentre, histoire de voir quand est-ce qu'il part. Très bien, il part. Avec leur sec E et A, vous pouvez faire ça. Pour vous pencher sur les côtés. Oh, punaise, j'avais pas vu la caméra. Bon, vous désactivez pas la caméra. Ou enfin, vous la désactivez, mais faites gaffe. Alors, comme vous voyez, le crocheteur de serrure fait largement l'affaire. En plus, c'est discret, vous pouvez refermer les portes derrière vous. Du coup, ça ouvre juste les portes. Que là, avec la perceuse, ça l'ouvre complètement. Et après, ils peuvent voir qu'une porte est ouverte. Et ça peut vous mettre dans le mal. Maintenant, vous pouvez fermer votre arme. Tout simplement. Parce qu'après, vous allez revenir en zone normale. En zone où vous avez le contrôle. Alors, le but du jeu, c'est de libérer une prisonnière. Parce que c'est dans le script du jeu, dans l'histoire du jeu, c'est ça. Il faut libérer une prisonnière. Donc là, il faut essayer de repérer dans quelle cellule elle se retrouve. Là, vous avez une perceuse. Tiens, dis donc. Alors, là, comme vous remarquez, elle est dans la cellule B. Donc, il faut aller dans la B. Hop. Là. Vous descendez le mec. Faites gaffe à ne pas vous faire repérer. Là, c'est la cellule A. Alors, la cellule B. C'était ici. Je crois pourquoi ça bug. Peut-être faut tuer cette personne-là. Peut-être je le savais pas ça. Bon, je vais le mettre sur mon dos. Je crois que ça bug un petit peu. Bon, ça c'est le jeu, hein. Mais bon. Bon, je vais sortir de la pièce et re-rentrer. Peut-être ça va réinitialiser quelque chose. Normalement, on peut ouvrir la porte. Là, je comprends pourquoi ça marche pas. One eternity later. Bon, visiblement, il fallait que j'élimine tous les soldats. Donc, c'est fait. Donc là, on est en train d'ouvrir la cellule D. C'est ça, ouais, cellule D. Nickel. Du coup, on s'y rend. Et on va libérer Rose, comme ça, comment ça s'appelle? Du coup, faut arrêter tous les personnes, je savais pas. C'était la mise à jour parce qu'avant on n'était pas obligé, maintenant on est obligé. Après ça paraît un petit peu logique si tu ouvres un coffre et que t'as les mecs qui sont là. Normalement il y a personne qui devrait venir. Donc Rose, elle va faire son chemin. Elle va monter tout le long là pour aller juste en haut. Et là le but du jeu, tout simplement on va nous ouvrir les portes. La sortie de la cellule. Et après elle va nous rejoindre. Je vais pas vous mentir que c'est à partir de là que je n'ai jamais réussi, il me semble, de souvenir, à ne pas me faire cramer. Mais on va essayer de le faire ensemble, tout simplement. C'est peut-être une première en même temps que je fais un tutoriel, ce serait incroyable. Donc je suis déguisé. Bon, en fait je sais. Non, je crois que je l'ai déjà réussi. Mais je trouve que il est quand même complexe. Tu peux vite te foirer rapidement. Bon, là, on ouvre les portes. Normal. Et déguisé. Après, je me rappelle plus exactement où il faut y aller. Ça, il fallait que j'aille tout droit. Tu m'as pas vu, la caméra, tu m'as pas vu. Hop. Vous avez toujours la carte, du coup, vous n'avez aucun problème. Là, il faut monter à l'étage. C'est moi, c'est moi, c'est moi. T'inquiète pas. C'est juste moi. T'inquiète pas, je vais juste passer. Oula, j'allais faire le chalumeau. Elle a un peu de monde. Bon, normalement, si vous ne les collez pas, il ne devrait pas avoir de problème. Later. Trouver et interroger le commandant de la base. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Du coup, il faut que je trouve le commandant. Oula. Mais où est le commandant? Elle, c'est un garde normal, hein. Ouais, normal.
Alors je me demande où peut être le commandant, vraiment. Là c'est un cache-cache, donc on se retrouve dès que je l'ai trouvé. Hein. Alors les gars, on l'a enfin trouvé. Le commandant, il est juste là. Viens par ici, viens. Viens. On l'interroge. On espère qu'il n'y a pas un mec qui arrive. Ok, on le transporte et on va essayer de faire le plus vite possible pour éviter que les gardes arrivent. Comme on a marqué en haut, j'ai que 4 minutes de jeu. Parce que je vais tout simplement relancer la partie. Parce que j'ai eu un bug, ça m'a déconnecté. Donc là, faut que je rejoigne. Reviens sur. Avec Rose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour m'embêter, c'est pas possible. Bon, ben on va attendre. Hein. Merci. Des fois, il faut être juste poli et attendre. On check vite fait à droite. Ok, il me voit pas. Nickel. C'est pas grave. Pas vu. Hop, et là on s'échappe en hélico. Comme vous le voyez, en speedrunnant, ça prend 4 minutes, 4-5 minutes. Voilà. Et vraiment bon niveau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve tout simplement pour le deuxième tutoriel samedi. Donc je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, ciao tout le monde.